Eh bien c'est parti, petite vidéo poker aujourd'hui, on va se connecter. On va commencer par le table select, espérons qu'il y ait quelques tables. Oula, c'est pas gagné en table, on va pas pouvoir choisir malheureusement. On va juste aller à des tables qui sont disponibles. C'est pas la meilleure chose à faire, mais on n'a pas vraiment le choix ce soir. Ok, donc j'ai rajouté une table à 5. On a que 100€ de BK, donc je vais juste mettre une seule table de 5. C'est vraiment pour qu'on puisse tourner une ou deux. C'est parce que là je peux pas du tout tourner de table, donc bankroll management on repassera, mais ouais, c'est parce que j'ai pas assez de table en fait. Sinon on peut l'emporter avec une hauteur roi, honnêtement. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Ok, on se fait raise ici, on va call, board intéressant. Là on joue tous les carreaux, on joue un valet, on joue les rois aussi, donc on va évidemment call. On pourrait envisager de raise même, mais le truc c'est qu'il va nous call beaucoup, donc on va just call. Alors maintenant j'ai aucun bloqueur sur les piques. Si j'avais un pic, j'aurais pu call tranquillement, même sur un bet mi-pot. Mais là le truc c'est qu'il va faire cher, et ici je m'attends à avoir qu'une dame. On n'est pas max au niveau de 10, mais ça, je m'attends à avoir que des mains trop strong en fait ici, donc je vais juste fold. Là on a vraiment une bonne main quoi. On joue les quintes à fond, on joue les couleurs, on a une overcard. On peut remettre un barrel très très cher ici. Cher mais pas trop pour se faire call par un 9. On se dit collerait. Ok. Bon ici je vais y aller. De toute façon je joue trop de cartes. Tant pis, on touche pas. Tant pis, tant pis. Ah, c'est dommage, on lui aurait tout pris quoi. Ah, c'est ça dont je jouais tout. Waouh, ça full limp ici. On te flop, double paire. Ok, ça check. On te met non bon un 5 fait quinte quoi. Ça c'est relou, c'est la pire carte. Et là par contre on fait full. Ce qui est incroyable. Bon, j'ai vu qu'il impa et tout, je suis contre des guignols, donc j'essaye de bet cher. Ça peut me coller avec n'importe quoi ici. Joli spot de 4 bets ici. Ça fait des open. On a un L5, ça fait des open à 2.6, attention. 3 bets très très sneaky ici, 9-8, j'aime bien les jouer, mais en général c'est compliqué. Oh, la première premium de NL5, malheureusement on est qu'à 3, ça va sûrement walk. Non, ça walk pas. Là on va lâcher un gros bet, hein. Parce qu'en fait, ils peuvent avoir beaucoup de choses. On bloque rien sur le board, donc j'ai quand même envie de faire un peu plus cher que un tiers. Oh, c'est sad. Deuxième premium. Incroyable. Ok, on va just call en big blind. Waouh, on va en profiter. J'ai envie de prendre le maximum à un roi. Je pense pas que je puisse mettre si cher que ça. Bon, en espérant qu'il n'ait pas as roi. As 10, c'est très très bien ça. Très 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 bien. Bon, quand on joue au poker, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut pas tout le temps pleurer quand il y a des bêtes bizarres et se dire oh non, il a forcément la meilleure main. C'est totalement faux. Ici, on peut le voir. As 10. Il double check, on est plutôt content. On va faire un bet à 4 et après on va aviser. Il fold, c'est très très bien. Bon, sûrement sûrement roi dame. Peut-être as, enfin, il n'y a pas de 4 bêtes. Je sais pas, on est en L5, mais j'ai pas envie de commencer à value. Qui a check deux fois quand même. Tac. Je veux pas 3 bêtes light. Très très bien ici. En fait, son double check représente énormément de faiblesse. Je commence à me dire peut-être qu'il va me trapper tout. Faut que j'arrête de me level, etc. De trop réfléchir. Là, il n'y a pas de différence entre 5 et 2. Pas vraiment. J'aurais dû bet ici avec une main différente. Il double check, on est plutôt content. On va faire un bet à 4 et après on va aviser. Il fold, c'est très très bien. Donc c'est lui qu'on doit abuser, en plus on a la position sur lui et c'est vraiment la configuration parfaite. Il y a un mec à 50 BB, faut que je fasse gaffe. Ça les mines, ça là, les mecs là. Qui te 3 bet, enfin, qui te enfin, je sais pas comment c'est pas un raise, mais qui bet comme ça, c'est très dangereux. On va juste call ici. Là, je vais pas mentir, j'ai limite envie de fold parce que son bet me fait trop peur, mais je peux pas fold ce genre de main, c'est pas possible. Oh, ça a walk alors que j'avais As-3, dommage. Et là, si ça fait 4 bet ou quoi, on va instant fold. Je suis sûr que lui, il a une main monstrueuse. Est-ce que je check? Ouais.
sert à rien donc. Ici on pourra payer une fois, mais je vous dis, il bet dans plusieurs personnes, ça va être un spot bourbier, je vais juste give up instantanément. Lui, j'ai peur. Ok. Très bizarre hein, ce qu'il a fait. Cette fois, on va juste call. Pas de 3 bêtes. Ok, ça call. Enfin, il a hésité quand même, le mec. Est-ce qu'il pourrait avoir Queen King? Bah non, parce qu'on bloque la plupart. Je vais essayer de value. S'il a les dames, c'est terrible, mais. Un valet va nous call ici. Si je fais. Ce sizing. Il fold. Parce que généralement, quand les mecs call comme ça, ils sont vraiment pas strong. Donc du coup, ils vont souvent fold. Quand on fait beaucoup d'argent comme ça. Et de rien, ce sera 13 centimes. Va-t-il me faire mentir? Et non! Il ne me fait pas mentir! Ouais, bête, parce qu'on joue beaucoup trop de cartes ici. Waouh, ça c'est. Bon, mon bête est mauvais, je représente rien. Mon bête est mauvais, très très mauvais ici, je représente rien. Allez, 1-3, check, je check. Bon, là je le fais pour la vidéo, parce que je sais qu'il va y avoir 1-3, mais ne faites pas ça chez vous. Ok, non, tant pis. Tant pis, tant pis. Je fais pas ça hein, d'habitude, mais. Oh là là, mais la musique qui fait tout. La musique qui fait absolument, absolument, absolument tout. On va check, check, on va check, check, isolé. La musique est super forte. On fait le full. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. On va bet. Le full qui me fait changer mes plans. Incroyable. Bien joué à toi. Oh oui. Oh oui. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? J'en oublie de jouer mes autres... De jouer mes autres mains. Qu'est-ce que c'est que cet NL5? Les queens. Accompagnés du... Jack High. Ici, vous pouvez fold. Ici, non. C'est quoi? C'est premium. Oh là là. On va jouer autour de l'as ici. Ah, ça va être compliqué parce que j'ai beaucoup de mains à jouer. Que je dois bien jouer en plus. Comme un as, hein. J'hésite à call en fait, parce que juste à cause de l'as de carreau. Mais. Non, je. C'était un call ici, c'était un call en vrai. Je suis con, c'était un call évident, je suis débile. Waouh, est-ce qu'on y va? Je sais pas si c'est un joueur mauvais ou pas. Est-ce qu'on y va avec le jack? Allez. Oh là là, regardez-le. Regardez-le. Ok, ça va all-in, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de manger tout le monde, le mec qu'on a dit qu'il était mauvais, alors qu'en vrai, il mange tout le monde. C'est son terrain. Mais l'avantage de ça, c'est qu'il va... J'allais dire, c'est qu'il va s'envoler. Il s'est envolé. Mais je voulais pas dire ça dans ce sens-là. Je voulais dire qu'il s'envole, qu'il prenne confiance et qu'on le graille. Fuck! Ici, on n'est pas très très bien monté, on n'est pas non plus rassuré. Contre Mimi Africain, je crois qu'il va nous value comme un porc le cochon. Sur une troisième street, je vais fold. Sauf s'il fait... Ouais, bon, allez, c'est bon. Bien joué à toi, tu nous as value. Bien joué à toi, Mimi Africain. Ah, je pensais qu'on avait 200 bébés. 200 bébés, ça peut partir en gros all-in à 10 balles. Waouh, mais qu'est-ce qui se passait de la NL5, les gars? Holy shit. Je me demande si dans cette configuration-là, check call est pas le mieux. Mais... Ouais, c'est de value grassement un valet plus. Et on chauffera.
Ici, ça va être un fold, je pense. Allez, shove, good luck. Ici, on va coller une fois. Oh non! Oh, ça, c'est triste. Bon, c'était le plan, de toute façon, c'était le plan. On a suivi le plan. Est-ce qu'il était bon? Bonne question. Ici, je suis en train de me questionner sur le fait de représenter un as meilleur, mais. Encore plus, j'ai un bloqueur sur les. On va essayer. Vous savez quoi? Ah, mais si je fais ça, il va s'envoler le mec. Non, restons simples. Mais son bet est bizarre. Bon, je vais faire confiance à mon instinct, Nick. Si on a que ça en tant qu'homme, notre instinct. Ne moline pas, s'il te plaît. En fait, j'ai sizé trop cher. En fait, j'ai fait totalement de la merde. Et si je veux partir à all-in, maintenant il va call beaucoup plus souvent parce qu'il est déjà trop engagé dans le pot s'il call. Donc mon move a été pas con de raise, je pense. Mais j'ai raisé beaucoup trop cher, genre ça avait pas de sens ce que j'ai fait. Ok. Waouh. Pour gagner en haut, c'est cool. Bon, il va pas all-in préflop parce qu'il aime pas prendre l'initiative. C'est pas un mec qui prend des initiatives sur le préflop, lui. C'est clairement le flop, son truc. Waouh. Valet 9 contre As 7, normal qu'il le call, il a. Bien joué. Assas. Là, ça sent les jetons. Je vais pas vous mentir, ça sent les jetons. Je sens que je vais me faire de la maille. Ça part all-in ici. Lui, il parraine et tout. Lui et lui, c'est des malades mentaux. À gauche et à droite, faut que je fasse gaffe. Waouh, putain, tout le monde colle, c'est n'importe quoi. Je suis emmerdé en fait. Je suis emmerdé parce que bah. Je suis pas emmerdé en fait, hein. Pourquoi est-ce que je dis des trucs comme ça? Enfin, je suis con quoi. Le truc c'est que maintenant je suis quand même emmerdé parce qu'il y a une dame, mais. Mais bon, il a pas de dame, sinon il aurait pas de check. Monsieur joue clairement les flush. On va check. Parce que là j'ai trop peur du board quand même. Sizing est bizarre, mais. Petit raise, deux overcards, possibilité de flush. Un raise qui fonctionnera bien ici. Qui va provoquer un all-in chez Incognito. Oh, on a le 10, putain, c'est pas magnifique ça. Là, je vais checker. Qu'est-ce que je raconte? Je vais 0 checker, il a 10. Est-ce que je. Bon, là, on va mettre pas beaucoup. On va mettre 11. Oh putain! J'ai failli. Oh merde, j'ai failli ne pas pouvoir jouer la main encore. En fait, j'ai mis 11 parce que si je mets 13, ça lui fait presque tout son stack. Et là, il va se dire, ah, il me reste 17 bébés, il me reste de l'argent pour all-in, ça va l'intimider. Bien sûr, je suis intimidé. Oh putain. Pourquoi est-ce que je me prends la tête alors que je perds en fait? Pourquoi est-ce que je fais des plans sur la lune alors que le mec, il s'en bat les couilles quoi. 7 et 8 œufs, en fait, on n'est pas dans le même monde, c'est ça que je veux dire en fait. Je suis en train de faire des choses qui n'ont aucun sens. Je sais pas pourquoi est-ce que je réfléchis. Step by step Z là. Bon, là on est perdant, hein. Sans déconner les gars. 47 centimes, putain, on était à 10 balles, c'est terrible. Mais en fait c'est deux caves, ça va vite, c'est normal. Ça veut rien dire. Ça sert à rien de se focus sur du court terme. Ça va faire le meilleur fold de ma vie. Et ouais. C'était une session drôle en vrai. Putain, c'est con, on a monté un boost stack ici à 14 euros, mais malgré tout. Malgré tout, ça ne paye pas. Fold. Fin du jour 2. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Allez, je vous fais la bise. C'était Step by Step. Bisous!